Bienvenue à Motoman de Bretagne. Je suis Alain Page, en retraite, un ancien d'un groupe du bâtiment et installé ici depuis 1977. Et ça, cette maison, c'est une maison qui a été commencée, construite en 1977. Je suis venu dès la première année où je me suis marié, on a voulu construire ici, dans un environnement familial. J'ai construit cette maison, je l'ai créée, j'ai fait plein de travaux dedans et c'est pour ça que j'y tenais beaucoup. J'avais toujours ce problème, étant à moins de 100 mètres de la 4 voies, de résonance de la 4 voies. Plus les pièces nord et est, froides, que j'avais toujours une différence de température. J'ai dit, il faut que je trouve la solution. Et un jour, sur ma route, j'ai rencontré West Ecology. Stéphane Renaud, société West Ecology. Je suis technico-commercial au sein de cette entreprise depuis 2017. Monsieur Page, on s'est rencontré sur un salon de l'habitat à Rennes. Il avait des problématiques diverses à résoudre sur son projet. Donc le plus simple pour nous, c'est de se rendre à domicile pour établir un devis, voir d'abord la faisabilité du projet, c'est la première chose, et ensuite faire un métier, établir le devis et présenter les matériaux. On m'a présenté plusieurs gammes, plusieurs façades, plusieurs finitions. Et là, en plus, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'épaisseur. Pas de perte de luminosité dans l'intérieur de la maison. Parce que souvent, on voit, quand on fait l'isolation extérieure, c'est très épais, quoi. Et on perd de la luminosité, et tout le monde le sait. Et là, je savais que non. Le produit Eniso est une vêture. C'est un complexe en aluminium thermolaqué sur sa façade. On a différents aspects, 25 coloris actuellement. Ce complexe est en polyuréthane à l'intérieur, en isolant. Donc on va arriver sur 85 mm d'épaisseur finie, pour un coefficient thermique de 3,75. Quand ils sont arrivés pour faire le chantier, j'ai regardé l'installation du chantier et j'ai vu comment ils montaient l'échafaudage, comment ils mettaient en sécurité l'échafaudage et tout. Donc ça a commencé à bien me plaire. Et ensuite, ils ont commencé à faire les travaux et tous les soirs, le chantier était nettoyé. On va évidemment faire des économies d'énergie. Il y aura beaucoup moins d'entretien. On a une solution durable. Il y a énormément de recul, ça fait plus de 30 ans. C'est là toute satisfaction. En plus, j'ai constaté que les pièces qui étaient froides avant, que j'avais du mal à chauffer, sont maintenant agréables à vivre. Quand on voit la maison avant est finie, la transformation est dingue d'un seul coup, quoi.